Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK, et aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut nous parler. La flamme, connais-tu le Goa Magala? Son ombre menaçante a été aperçue, le royaume court un grave danger. Les documents laissés par une caverne, par une caravane de chasseurs évoquent sa menace. Oui, oui, ça fait référence aux quatre rues. En tant que chevalier de l'ordre, je dois agir. D'ordinaire, je lui ferai goûter de ma lame rutilante, mais mes responsabilités de capitaine m'empêchent de partir. La flamme. Je suppose que tu vois où je veux en venir. J'ai besoin que tu captures... ce spécimen, tu en es capable. Ok. J'en fous un peu. Y'a pas quelqu'un d'autre qui veut nous voir? Non, personne. Du coup... on va affronter la Rakna Kedaki de feu. Alors elle, visiblement, elle a l'air de craindre la foudre. Parce que quand j'ai vu les Pirantulas... je vais voir, la Rakna de base. La Rakna de base ne craint pas la foudre. Logique. Elle craint la glace. Voyons voir pour les rachnoïdes si c'est la même chose ou pas. Ah, ils indiquent pas. Mince. À mon avis, ça doit être pareil. Donc, je pense qu'elle craint la foudre. Et pour plus de sécurité, on va peut-être prendre de l'eau. Je veux dire, ça reste un monstre de feu. Donc, techniquement, elle est censée craindre l'eau. Pour éviter qu'il y ait des problèmes. Je crois pas que j'ai eu médecin. Bon, après médecin c'est pas très grave. Enfin médecin si, c'est intéressant parce que du coup ça permet d'augmenter les effets de soins. Donc des fois c'est ça peut faire économiser des potions et des trucs comme ça. Donc... Incroyable. Ah, elle est cool. Elle est vachement cool. Donc du coup, oui, les Pirantulas, visiblement, ça a l'air d'être des monstres explosifs. Et du coup, en utilisant le feu, elle les fait exploser. Ça explique le gameplay. Du coup, elle est où? Elle est en bas, d'accord. De toute façon, on va plutôt aller chercher des spectres oiseaux. Oh, il y a un Magnamalo qui traîne. Toujours bon à prendre. Je crois qu'on est pas mal. On
On va aller juste chercher les lanternes et on est bon. Oh, ça va pas près. Bizarre ça. Bon, paralysie crapaud, on sait jamais. Même si à mon avis je n'en aurais pas besoin. On a eu qu'un? C'est bizarre ça. Je pense qu'on est plutôt bien. On récupère et c'est parti. Mince. Non, non. Je pense que je vais garder ce truc là pour l'instant. Ah purée, c'est le troisième qu'elle fait. C'est pas trop mal. Ah, elle s'endort, parfait. Oh, oh, oh. Oh. Oh, genre ça a pas validé. Oh, genre par contre tu m'as tout pas les dégâts. Oh. Oh, il est marrant comme ça. Non, qu'est-ce que je fais?
En fait, j'aurais pu prendre le phylloptère, hein. J'ai pas fait gaffe sur le coup. On va aller chercher le Magna Malo. C'est bien qu'elle traverse, enfin qu'elle se mette comme ça, quoi. Bah comme une araignée quoi. Et pas genre juste elle saute quoi. J'ai eu beaucoup de chance. Oh le gros cocon de... Oh, j'avais esquivé. Oh la confusion. Oh la confusion. Oh la confusion. Oh la confusion. La confusion. La confusion. La confusion. Ouf, ça va, ça va. Oh, oh merci Langenas qui est venu me sauver. Oh Langenas qui est venu me sauver. Incroyable. J'ai plus d'endurance. Qu'est-ce que je fais ? Putain ! Quand il veut chaud, je prends cher. Après je crois que j'ai pas une... Je crois que ma résistance au feu elle est pas folle hein. Oh purée. J'ai tout perdu du coup. Là. Qu'est-ce que j'ai fait ?
leur ordonne d'attaquer, je suppose. Oh, j'ai rien pris. Enfin, j'ai pas pris grand chose. Je m'attendais à prendre pire. Qu'est-ce que c'est ? Par contre, niveau feu, elle balance, purée. Hein, bien plus que sa consoeur. Hein. Ah, dommage. C'est sympa. Ah dommage, j'ai pas eu le temps. Parfait. Trois fois hein, qu'elle dort. Hein. Elle est très affectée par le sommeil. Hein. Oh, il y a des arachnoïdes. Les pauvres se sont perdus. Merde. Profitons du piège. Ouais, la fin, c'est parfait ça. Ah non, elle va se barrer. Ah, elle se tire. Ouais, elle se tire, mais elle rentre devant. Ah, j'en étais sûr. Non. Oh, quel boulet. Peut-être que si j'ai eu du bol, j'ai pu enregistrer une petite partie de l'attaque finale. On verra bien, mais j'y crois pas trop. Donc là, là j'ai repris l'enregistrement pour parce que à mon avis il va sûrement y avoir une cinématique, donc il faut absolument faut pas que ça bug ou quoi. Donc, on espère qu'il n'y ait pas de soucis. Je sais pas pourquoi ça a bugué alors que ça fonctionnait très bien.
Ah, j'en étais sûr qu'il y avait une cinématique. C'était obligé. Chichihime, okoshi to wa shirazu ni goburei. Ah, dame desu yo. Watashi koko de wa uketsukejou desu kara. Desu yo ne? Fiorene wa daijoubu desu. Kusuri mo dekimashita shi. の一大事に深く劣り騎士として。よかった。一件落着だね。これからでしょう。 Content de te voir rétabli, Fio. Figure-toi que ton malheur, que dans ton malheur, tu nous as beaucoup aidés. Contente d'avoir pu vous aider en mon absence. Je vous dois des excuses pour mon comportement. Surtout toi, Raven. Tu as dû te mettre en danger, j'ai honte de ne pas avoir rempli ma mission et... Oublie tout ça, Fioren. Ne t'inquiète pas, tu auras amplement l'occasion de rattraper ton absence. Bah, Harry, c'est quoi cette histoire de contre-attaque? Tu as repéré le Malzeno? Absolument! Il se trouve à la Citadelle. Oh, comme c'est étrange. La Citadelle? Quelle ironie, hein! Il s'est installé là où tu vivais avant, amiral, dans le foyer qu'il avait détruit. Ah oui, d'accord, excusez-moi, monsieur. Oh, l'amiral, il vivait dans un château, tranquille. Tu vivais à la Citadelle, amiral? Je l'ignorais. Ah, ça se trouve, c'est peut-être lui, du coup, hein. C'est peut-être l'amiral qui a fui, ou qui, justement, est resté. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être que c'est l'histoire entre l'amiral et Fugen, hein. Sait-on jamais. Tout le monde l'ignorait, je le sais parce que je suis assez âgé pour le savoir. C'est pas faux, c'est vrai que c'est un Wyvérien. Mais peu importe, ce qui compte c'est d'éliminer le Malzeno. Oui, et maintenant on va l'achever à la Citadelle, mettre un terme à tout cela une bonne fois pour toutes. Tu m'accompagnes Raven? Avec toi à mes côtés, je n'ai rien à craindre. Tu as perdu la tête, Fio? Tu n'iras nulle part, hors de question. Quand même, tu es en convalescence, l'antidote a à peine eu le temps de faire effet. Je vais très bien, vous m'avez dit que j'étais guéri, Tadori et toi. Et quand je vois Raven, ça m'inspire. Je peux pas rester ici à rien faire. Je ferai de mon mieux, promis. Enfin, pardon, oh là là. Je ferai attention, promis. Allez, amiral, s'il te plaît. Tu sais, c'est ta faute, Raven. Quoi? Tu as donné du courage à tout le monde ici. Tous les habitants d'Elgado meurent d'envie de se surpasser. C'est encore plus vrai pour moi. Ça fait un moment que je ne dors plus, obsédé par l'idée d'éliminer le Malzeno. Je suis prêt à taper du... Raven et Fioren, vous aurez tous les deux chargés de cette mission. Vous devez affronter le Malzeno et le détruire. Et vous reviendrez tous deux sains et saufs, c'est un ordre. Je te promets. C'est super, ensemble rien ne peut nous arrêter. Et c'est vrai qu'elle est forte en plus. Pour chaque défaite subie, on se vengera au centuple. Que la contre-attaque commence. Et bah Harry... Ok. Oui, qu'est-ce que je peux faire? À tes ordres, amiral, je suis dans les starting blocks. Va dormir. Oh, oui, chef. Voilà, comme ça, il va pas me casser les couilles. J'ai été un véritable fardeau pour tout le monde ici, j'ai honte. Dire que je me suis fait terrasser par un virus. Mais j'ai totalement récupéré à présent, promis. Alors après, pour combattre un virus, faut utiliser un antidote. Ça marche pas comme ça, la biologie, mais bon, tant pis. C'est pas vraiment un antidote qu'il a préparé, quoi. Les préparations sont terminées. L'ordre du combat est venu pour sa majesté et pour le royaume. Ok. Fioren est enfin sur pied. Cela aurait été impossible sans votre aide, merci. Mais pas le temps de fêter ça. Nous avons localisé le Malzeno.
L'ordre a été mobilisé, c'est l'heure d'affronter le Malzéna. Mon vœu le plus cher serait d'être avec vous, mais ma fonction d'amiral m'en empêche, ne perdez pas de temps. Il aurait voulu affronter le Malzéna, sous mon honneur de chevalier de l'ordre royal. Avec le retour de Fioren, nous sommes au complet. L'ordre royal attend les instructions pour le roi. Je suis tellement heureux de voir Dame Fioren de nouveau sur pied, comme je m'y attendais. Elgado a retrouvé sa gaieté, mais sur le point de partir affronter le Malzéna, ça n'inspire rien de bon. J'ai entendu dire que ce monstre avait une signification spéciale pour les gens d'Elgado. Je prie pour la sécurité. Ok, du coup, bon, le Malzéna, à mon avis, c'est un monstre qui craint le dragon. Même s'il fait du dragon, je trouve que... Je pense qu'il craint le dragon. Mais toujours est-il, c'est qu'on s'occupera de ça dans la prochaine partie. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et à la prochaine, je vous dis bonne chasse.